Bonjour à toutes et à tous, bonjour aux abonnés. Dans cette vidéo, retour d'une brocante permanente où j'ai trouvé quelques miniatures sympas. C'est temps, pas grand-chose ben, en plein air. Alors, je fais ce que je trouve. Donc, on commence par cette petite Matchbox, une BMC 1800 Pininfarina. On est sur un copyright de 1969. Modèle que j'ai déjà dans la collection, mais qui est aussi en état de jeu. Celle-ci est presque plus belle. Je vais juste vous montrer l'autre que j'ai déjà dans la collection. Voilà, donc. Celle que vous voyez sur la gauche de votre écran, c'est celle que j'ai rentrée aujourd'hui. Et l'autre, c'est celle que j'ai déjà depuis un bon moment de la collection. Enfin, au niveau état, elle se complète. Hot Wheels, ce petit pick-up, on doit être sur du. Un Chevrolet, c'est pas marqué dessous. Donc, modèle que j'avais pas encore dans la collection. A priori, il n'est pas complet, il doit avoir un arceau à l'arrière, je pense. Voilà, en état de jeu. On est sur un copyright de 1977. Matchbox, j'ai trouvé ce petit wagon. On est sur un copyright de 1978. Après, j'ai une locomotive, mais plus récente. Je pense qu'il ira avec. On verra. Corgi Junior, une Burton Runabout Barchetta, un modèle que j'ai déjà dans la collection, mais la mienne elle n'a pas la topographie des drapeaux à l'avant. Alors ça fait une petite variante. Majorette, une Aston Martin DB9. Alors, celle-ci, je l'ai pris pour la sauver. C'est un modèle que j'ai déjà dans la collection, un meilleur état. Pas un parfait état, mais un meilleur état. Alors, je risque je fais de celle-ci. Matchbox, une Corvette Grand Sport. Alors celle-ci, faut que je regarde les autres que j'ai, si c'est le même numéro. J'en ai deux de ces bleus, deux autres de ces bleus, qui sont en très bon état d'ailleurs. Enfin, faut que je regarde si c'est une autre variante. Je l'ai pris pour la sauver. Matchbox, une Racing Mini. Donc ça c'est un modèle que j'ai déjà dans la collection, mais la mienne n'a pas de sticker dessus. Alors est-ce que sur l'autre elle a eu des stickers ou pas? Ça je ne peux pas répondre. On est sur un copyright de 1970. L'état global passe encore pour son âge. Matchbox, j'ai trouvé ce petit camion de 1973, le copyright. Alors ça, c'est un camion qui va normalement avec un tank, donc un carburant derrière. Malheureusement, bah, il n'était pas présent. J'en ai déjà deux, des comme ça. Je verrai si j'arrive à y trouver une petite remorque à l'occasion. Matchbox,
Matchbox, un Unimog. Alors, modèle que j'avais pas de cette couleur dans la collection. J'en ai un autre, un bleu un petit peu, on va dire bleu clair. Alors, ça fait une nouvelle variante pour moi. Il n'est pas parfait, mais il a son charme. Donc, voici l'autre que j'ai. Un bleu clair. Alors, Matchbox toujours, une remorque. Alors, il l'appelle Mercedes Trailer. A priori, elle va pas avec les Unimog. Quand on voit le système d'attelage, c'est pas le même. Faut que je regarde ce qui va comme camion avec. En tout cas, il n'y a pas de camion correspondant de la caisse. Hot Wheels, j'ai sauvé cette Chevrolet Corvette C5. Alors, ben, elle a eu du feutre, celle-ci, malheureusement. Donc, ben, ça partira un décapage pour une petite restauration. Et dernière de la vidéo, j'ai trouvé cette Alfa Carabo. Donc, légèrement en état de jeu. C'est un modèle que j'ai un meilleur état dans la collection. Celle-ci, malheureusement, elle a aussi le pare-brise qui est fendu. Je l'ai pris pour la sauver. Je verrai si je la garde ou si j'essaye de la revendre. Alors, voici. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette courte vidéo. Pensez à liker, commenter, vous abonner, ça me fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à bientôt.